Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois de plus, on va se retrouver sur une vidéo sur AMS2. Je vais vous partager mes réglages FFB pour le T818 sans fichier, c'est-à-dire avec le fichier par défaut du jeu. Ça m'a été demandé. Libre à vous d'utiliser un fichier FFB ajouté, où j'ai pu le montrer sur mes précédentes vidéos. Mais libre à vous aussi d'utiliser le jeu d'origine, c'est-à-dire le fichier force feedback d'origine, qui est très bon aussi, hein, notamment depuis la dernière mise à jour qu'on voit ici en bas à droite, 1.5.5.6 2555. Donc voilà, je vais vous montrer donc en priorité pour ceux qui ont la base T818. Ça m'a été demandé, je vous partage tout ça. Donc dans un premier temps, vous allez dans le logiciel de votre base T818 ou autre. Si vous souhaitez les essayer, pourquoi pas, pour ceux qui ont des volants entre 10 et 12 newtons, essayez. Ça peut-être vous plaire, ou ça vous fera une base pour un petit peu peaufiner. Donc, je disais, vous allez dans le logiciel de la base. Moi, c'est pas notre configuration ici. Vous l'ouvrez, et vous voyez que je suis en 900 degrés, 100% des forces ouvertes, 10% de force d'amortissement, 0% de linéarité et en mode sport. Voilà pour ce qui est du logiciel de la base T818. En jeu, mes réglages force feedback, retour de force, je suis par défaut 65, 0, 25, 5 et 2. Voilà. Je vais vous expliquer ensuite comment je procède pour éviter de revenir quand on change de classe de voiture, de catégorie de voiture, à chaque fois venir bidouiller son gain. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient comme ça. Peut-être ils n'étaient pas au courant des deux petites touches. Pourtant, j'en ai assez parlé. Vous allez dans configuration, affectation des touches, véhicule, arriver tout en bas de la liste, vous avez l'augmentation du gain FFB plus et la diminution du gain FFB moins. Assignez ces deux touches à portée de main. Moi, elles sont sur mon volant, c'est le plus pratique pour moi. J'ai deux boutons qui sont assignés pour diminuer ou augmenter mon force feedback. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi c'est mieux de procéder comme ça. Voilà, ensuite il m'a été demandé au niveau des caméras. Rien de bien spécial au niveau du mouvement. Dans des précédentes vidéos ici, vous pourrez le vérifier, on était à 0, 0, 0 pour éviter l'effet de flottement, etc. J'avais partagé une vidéo traduite en français que j'avais pu voir d'un allemand. J'ai décidé d'en rajouter un petit peu. C'est personnel. J'aime bien, je ne suis pas dans un châssis dynamique, donc j'aime bien un petit peu plus de réalisme, on va dire, et j'aime bien voir mon tableau de bord un petit peu bouger ou sauter quand je prends un trou, un vibreur, etc., sans que ça ne soit exagéré. Je vous l'accorde que si c'est pour être dans un bateau, c'est pas la peine. Moi perso, réglé comme ça, ça va pas trop mal. Voilà pour ce qui est de la caméra. Les autres, on va passer les commandes, etc., tout ça, c'est l'affectation des touches, tout ça, vous savez faire. Je voudrais vous montrer autre chose aussi dans commandes périphériques. Vous avez ici la calibration du volant, on en a parlé, 900 dans le logiciel de votre base. Personnellement, j'ai calibré aussi dans le jeu mon volant à 900 pour correspondre à ma base. La majorité des jeux, vous mettez en 900 ou 1080 dans votre base et vous faites de même dans le jeu. Et bien ensuite, la rotation s'adapte logiquement à la majorité des voitures. Si elle est en 540, votre volant il devra être en 540. Voilà. C'est ce qui est dit le plus souvent. Là, je fais que de relayer l'information, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le saviez déjà. Donc nous avons vu le retour de force. Nous avons vu les caméras. Nous avons vu l'assignation du plus et moins pour le FFB spécifique à chaque auto. Nous allons aller maintenant dans commande, configuration, et là nous allons nous arrêter sur la sensibilité de freinage. On va pas faire long, mais je vais vous expliquer. Moi personnellement je possède un TLCM, donc la sensibilité du freinage par défaut il me semble qu'elle est sur 50. Pour moi c'est trop, ça bloque les roues, etc. Je sais,
que dans le setup, vous pouvez aussi régler par setup de la voiture la force de freinage. Mais justement, il faut un petit peu jouer avec les deux pour trouver un freinage qui vous correspond. Donc moi personnellement, il est à 35, peut-être que chez certains il sera à 25 avec des pédaliers plus performants, peut-être qu'il sera à 60 pour des pédaliers moins performants, à vous de trouver. Moi ma base elle est sur 35. Voilà. Voilà au niveau des réglages un petit peu communs, j'ai envie de dire comment je suis. Et là, on n'utilise pas de fichier et on est sur un T818. Ensuite, on va aller en course, on va prendre une LMDH. Ok, on va prendre la Porsche, on va se mettre sur le Mans. Je vais être en multicatégorie, mais peu importe. Donc, si vous souhaitez tester, libre à vous, testez avec cette voiture. Mais vous allez comprendre pourquoi avec le réglage spécifique par voiture, je n'ai pas besoin à chaque fois de retourner changer mon gain, puisque avec le car spécifique par voiture et mes deux boutons plus moins, eh bien je cherche un petit peu ce qui me correspond. Et bien évidemment, une fois que vous avez utilisé 10, 15, 20 voitures dans le jeu, pour certains qui ont un bon nombre d'heures de jeu, vous n'avez plus trop besoin d'y toucher puisqu'il est réglé. Avant de démarrer, je vous répète, faites attention, la majorité des voitures vous sortez en pneus froids. Ne vous faites pas une idée de votre force feedback quand vous sortez des stands en pneus froids. Attendez bien que vos pneus soient chauds et à ce moment-là, vous aurez le véritable ressenti. J'ai pas remis le son puisque je l'avais baissé afin que vous puissiez m'entendre un peu mieux. On va pas le mettre trop fort, c'est pas la peine. Donc maintenant, dans modifier la configuration, on l'avait dit, on en a parlé quand on a été à la sensibilité de freinage. Ici, dans réglage avancé, vous avez la pression des freins. Normalement, je crois qu'elle est à 90 sur celle-là. Moi, personnellement, je la baisse encore un petit peu à 87, voire 86. Mais ça, c'est pareil, c'est au ressenti de chacun et selon le pédalier que vous possédez. Voilà, ici, vous voyez que mon gain, il est à 70. Normalement, si vous n'y avez pas touché, il est à 100%. Ce qui veut dire qu'il est à 100% ici. Et quand vous retournez dans Options, Commandes, Retour de force, vous voyez ce que j'utilise. Pourquoi? Je vous dis après, j'y touche plus. Moi perso ici, là, ça me va très bien. Donc, si je souhaite, à la sortie des stands par exemple, on sait qu'on a les pneus froids, le volant est un petit peu plus mou généralement. C'est comme quand il y a la pluie. Eh bien, avec les deux touches, et ça pour toutes les voitures, hein. Vous voyez, je le monte. Par exemple à 75, le temps que mes pneus commencent à chauffer. Vous allez voir aussi l'effet de caméra, vous voyez ça vibre légèrement, mais rien de bien fou. Hein. J'ai pas envie de vomir, hein. Donc là on va y aller doucement à pneus froids, mais vous voyez j'ai durci tout de suite un petit peu mon FFB parce que je sais que mes pneus sont froids. Voilà, je vous montre comment je procède, après chacun fera comme il veut. Hein. J'ai mis un peu n'importe quelle catégorie de voiture avec, mais c'est pas grave. C'est pas le but de la vidéo. On va essayer qu'il chauffe rapidement. Le but de cette vidéo était bien évidemment de vous partager mes réglages pour le T818 sans fichier ajouté. Donc on va essayer de ne pas faire trop long. Donc là on voit petit à petit les pneus chauffent, ça va pas tarder. Vous voyez aussi à l'écran là avant le virage, vous allez voir une indication des virages, ça vous pouvez le trouver dans les options visuelles. Hein. Après, moi c'est parce que je connais pas tous les circuits par cœur, donc j'aime bien être prévenu d'un danger d'un virage plus ou moins dangereux. Ça me permet un petit peu d'anticiper les freinages. Alors c'est un petit peu moins réaliste, je vous l'accorde, mais chacun fera comme il veut là aussi. Et puis tout le monde n'a pas le même niveau de pilotage, donc voilà, chacun fait un peu. En tout cas, dans cette vidéo, on n'est pas là pour chercher la performance. Donc voilà, vous voyez que c'est un petit peu plus vert. Donc là, je vais commencer parce que je sens que mon volant durcit un petit peu.
eh bien je vais le rebaisser de 5% comme j'ai fait. Et là je sais qu'avec mes pneus quand ils vont être chauds, j'aurai ce que je recherche. Bon, alors vous ça peut être 65 hein. Ça peut être 60, ça peut même être plus. Voilà. Et je procède de la même façon pour tous les véhicules. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait le tour. Réglage FFB dans la base du logiciel du T818, dans le jeu, les réglages caméra, l'assignation des touches, le calibrage du volant. Voilà, je vous ai tout partagé. Ça m'a été demandé parce que libre à eux hein, de jouer au jeu sans ajouter de fichiers FFB. Hein, et ils n'ont pas tort parce qu'il est, il est aussi très bon d'origine, mais ça aussi c'est encore une fois de plus très personnel. Donc on va boucler le tour ensemble. Et franchement j'ai vraiment un excellent ressenti même sans fichier hein. Ouh, l'accrochage. Aïe, aïe, aïe. Ça a failli être le moment fatal. Ouais, même les vibreurs, tout ça, on le sent très très bien sans que ça soit exagéré. Ça fait d'ailleurs un petit peu penser à RF2 ou à LMU, mais toute proportion gardée, hein, attention, hein, comparons le comparable. Mais franchement, avec ces petits réglages, sans fichier FFB, c'est quand même très agréable. Donc voilà, la vidéo va se terminer là-dessus. Hein. J'ai essayé de faire le plus rapide possible. Hein. Des vidéos trop longues, c'est pas très agréable non plus. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Si vous souhaitez l'essayer, laissez des commentaires. Négatif, positif soit-il, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, pour le reste, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye, à bientôt sur les pistes.